Bonjour. C'est l'aube. Le soleil se lève à peine sur Bagdad. L'air est encore léger, la lumière douce. Dans le palais du calife, tout un peuple de gardes, de marmitons, de serviteurs se réveille à peine. Un homme traverse à pas lents les cours du palais. Il s'attarde auprès des fontaines et des bassins. Il respire le parfum des fleurs. Il entre dans le palais, il en admire les mosaïques, traverse toute une enfilade de pièces désertes, arrive dans la salle du trône. Il la traverse lentement, gravit les marches et s'assied sur le trône d'or. Lentement, il pose ses mains sur les accoudoirs, soupire profondément et sourit. Deux gardes arrivent près de la porte pour prendre leur service. Ils aperçoivent l'homme, s'arrêtent, se regardent, les yeux ronds, la bouche ouverte, font demi-tour et courent presque vers le poste de garde. Leur chef les accueille froidement. « Eh bien, vous n'êtes pas à votre poste ? Pourquoi donc ?»« Mais c'est que, chef, on y était, mais y a un homme, venez voir !» Et les deux gardes retournent à pas rapides vers la salle du trône. Leur chef leur emboîte le pas. Quelques pas avant la porte, les gardes s'arrêtent, le chef aussi. « Vous voyez, chef, regardez, ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'il a pu arriver jusqu'ici ?» Le chef des gardes regarde l'homme assis sur le trône. Il a sur la tête une sorte de vieux foulard sale en guise de turban. Il est vêtu d'un manteau usé et troué. Il a une barbe filasse mal entretenue. Il est maigre à faire peur. Et pour tout dire, son teint n'est pas très net. Il ne doit pas avoir vu de savon depuis un moment. Oui, vous avez raison. Tout ça n'est pas normal. Peut-être c'est quelque magie. Hein, je crois plutôt que ça pourrait être un membre de la famille royale à qui il est arrivé un accident en voyage. Je vais chercher le chambellan. Lui, il saura quoi faire. Le chambellan arrive. Regarde l'homme assis sur le trône. L'homme, lui, pendant tout ce temps, n'a pas bougé, n'a pas fait un geste. Il a assisté, un léger sourire sur les lèvres, aux allées et venues des gardes et de leur chef. Et à présent, d'un œil calme, il regarde le chambellan. Le chambellan avance de deux pas vers lui. Il est moins naïf que les gardes, et lui, il ne voit là qu'un mendiant effronté. « Eh bien, l'homme, sais-tu que tu es assis sur le trône du calife des Abbassides, le chef, le commandeur des croyants ?»« Je le sais. » « Et... « Sais-tu bien qui est le calife ?»« Je le sais, et je suis au-dessus de lui. »« Ah, ça, mais...
Ton intelligence te ferait-elle défaut à cause de ta pauvreté? Ne sais-tu donc pas qu'au-dessus du calife, il n'y a que Mahomet lui-même? Je le sais. Mais, et sais-tu qui est le prophète? Je le sais, et je suis au-dessus de lui. Les deux gardes grognent et lèvent leurs armes. L'homme sur le trône les regarde, sourit. Le chambellan les arrête d'un geste. Allons. Ne sais-tu pas qu'au-dessus de Mahomet, il n'y a que Dieu lui-même? Oui, je le sais. Alors, peut-être ne sais-tu pas qui est Dieu? Je le sais, et je suis au-dessus de lui. Mais tu es fou! Cet homme est fou! Mais allons! Ne sais-tu pas qu'au-dessus de Dieu, il n'y a rien? Le mendiant regarde le chambellan, sourit. Mais justement, je suis ce rien. À demain.